Kati, 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 kati. Yael Nawe. Yael Nawe. Yael Nawe. Bien le bonjour, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans l'espace jeunesse. Sur la télé Tchad, Yalna, nos enfants, nos mômes, nos petits, nos grands, notre élève, notre avenir, c'est cette émission sur télé Tchad qui vous déporte dans l'univers des tout petits, des plus grands, mais aussi des jeunes très talentueux, très intelligents qui feront le Tchad de demain. Télé Tchad et son programme Yalna se déportent au Tchad profond pour aller à la rencontre des élèves de différents établissements dans différentes villes. Sar, nous y sommes. Sar, le deuxième numéro, c'est maintenant, après l'alléchante affiche. Nous allons retrouver deux grands établissements d'obédience religieuse face à face, le lycée Humanité et le lycée Saint-Charles Luanga. C'est l'affiche de ce numéro et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Est-ce que le lycée Humanité est dans la salle? Est-ce que le lycée Saint-Charles Luanga est là? Oui. Ça va chauffer. Applaudissez pour vous encore. Et oui, comme tous les numéros, que ce soit en N'Djamena ou dans les différentes villes où nous faisons le tour pour montrer ce que nous avons de meilleur à montrer au monde, c'est-à-dire ces jeunes-là qui sont intelligents, mais ici aussi, on s'amuse, on se brasse, mais on est là pour passer ce message très important, la cohabitation pacifique entre les fils et filles du Tchad. Cinq branches, cinq manches. La première rubrique, Tchad, mon pays, culture générale. Seconde rubrique, nous allons passer au jeu, on va s'amuser. Et ensuite, on passera à cette rubrique qui vous permet, qui vous rappelle que c'est important d'être propre. Jeunes filles et garçons tchadiens, c'est très important, la propriété, l'hygiène. Et puis, on passera donc à l'autre rubrique préférée de tous, la préférence artistique, c'est-à-dire les poèmes, l'hymne national et la chorégraphie. Ça va chauffer pour finir en beauté. Si vous êtes content, applaudissez pour ce contenu qui est toujours... Et ça va se passer sous les regards très, très, très attentifs de nos membres du jury. Je vous présente Matibé Geneviève. Pour ceux qui écoutent la musique tchadienne, doivent la connaître. Matibé Geneviève, grande artiste chanteuse, directrice de notre orchestre national. Bonjour et bienvenue. Et à ses côtés, elle est bien encadrée par M. Berambay Fadel, le deuxième membre du jury, qui est enseignant, formateur aussi de son état. Il est là pour regarder de près, surtout la première rubrique culture générale. Toutes vos réponses seront... Eh bien, scruté au pain fin. Et puis, le dernier membre du jury, c'est un médecin, parce qu'on parlera de la santé et aussi de la propriété. Donc, il faut quelqu'un de bien avisé. Et c'est docteur Olivier, que je vous demande de saluer par des applaudissements, parce que lui, il est d'ici. Oui, lui, il est d'ici. Il officie donc à l'hôpital provincial de Sarre, l'hôpital central. Donc, il est avec nous. Il remplace à ce titre docteur Magloire Tempéré, connu sous le nom de Anonyme. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le show? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le show? Oui. Ati, kati, kati. Yalnawe. Ça y est, c'est parti pour la culture générale, juste après ceci. Yalna, c'est parti pour ce deuxième numéro qui va être très 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 chaud entre Humanité et Saint-Charles Luanga. Première rubrique, Tchad, mon pays, à qui? La réponse, culture générale, appelez comme vous voulez, mais on titille vos ménages et on essaie aussi de vous remonter dans la grandiloquence, dans l'intelligence simplement. Face à face pour les deux lycées, nous avons le lycée Humanité. Venez s'il vous plaît, approchez. Le lycée Humanité qui est déjà représenté et face à ces trois bonhommes pour le lycée Saint-Charles. Luanga. Allez, je vous accueille. Bonne arrivée. Bienvenue. Ça va, vous allez bien? Ça va, vous êtes prêts? Vous êtes chaud?
Oui. D'accord. Atikatikati. Atikatikati. Allez, c'est parti pour la première rubrique de cette émission. Tchad, mon pays, à qui ? La réponse, ça va se jouer aussi sur la rapidité, parce que vous aurez 15 secondes pour réfléchir ensemble, vous accorder sur vos réponses, et une personne porte la voix de l'équipe pour donner la réponse. Nous allons accuser réception, mais on ne dit pas si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, parce qu'on saura le résultat avec le jury à la fin de l'émission. C'est bon pour vous ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Humanité, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Saint-Charles Luanga ? Oui. Aussi, ça y est, top, c'est parti. On commence par Humanité. Vous choisissez une question que vous allez nous lire à haute voix, s'il vous plaît. Monsieur Dieudonné, qu'avez-vous choisi comme question ? Qu'est-ce que la composition, quelle est la composition de l'air ? Quelle est la composition de l'air, on va dire, même si c'est sauté, de... Quelle est la composition de l'air ? Top, c'est parti, 10 secondes maintenant. Quelle est la composition de l'air ? 5 secondes, s'il vous plaît. Top, c'est bon, oui. La composition de l'air ? Nous avons l'azote. L'azote ? Le dioxygène. Ok. Et... L'oxygène. L'azote, le dioxygène. Ok, et L'hydrogène. Carbone. Et l'hydrogène. L'hydrogène. Le carbone. Le juré, vous l'avez ? Non, ça c'est... C'est bon ? D'accord. La main revient à au lycée Saint-Charles Luanga. Oui. Mon cher Janvier, c'est quoi la question ? Quelle est la stratégie développée pour lutter contre la poliomyélite au Tchad? Quelle est la stratégie développée? La stratégie développée pour lutter contre la poliomyélite au Tchad? 10 secondes maintenant, s'il vous plaît. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, top. La stratégie développée pour... Pour lutter contre la poliomyélite au Tchad et la vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 5 ans. Ensuite, oui. La vaccination, vous l'avez, les jurés. Deuxième question, on applaudit les deux équipes déjà. Monsieur Moussa. La question est la suivante. Quelle différence faites-vous entre un atome et une molécule? Quelle différence faites-vous entre un atome et une molécule? 10 secondes maintenant. Allez, réfléchissez, 5 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Oui, la réponse? Une molécule est une association d'atomes. Plus fort, on ne t'écoute pas. Une molécule est une association de plusieurs atomes. Une association de plusieurs atomes, oui. Ça c'est la molécule. Et une atome est une entité composée... Une entité composée de toutes les matières. De toutes les matières. Point. D'accord. La main passe. Saint-Charles Luanga. Qui choisit? Oui. On lit à haute voix, s'il vous plaît. En combien de temps la Chine a monté son premier hôpital pour héberger la malade de COVID-19? Alors, je relis pour vous. En combien de temps la Chine a monté son premier hôpital pour héberger les malades de COVID-19. 15 jours. Oui. 15 jours. En combien de temps? En 15 jours. En 15 jours. C'est noté. Vous êtes d'accord, Saint-Charles Luanga? Allez, la main revient au Collège Humanité. Quelle différence y a-t-il entre une tribu et un tribu? Je relis la question. Quelle différence y a-t-il entre une tribu et un tribu? Une tribu, c'est une communauté. 10 secondes. Et puis, une tribu, c'est le groupe. 5 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Oui. C'est un problème. Oui. Une tribu, c'est une communauté. Pardon? Une tribu, c'est une communauté. Une tribu, c'est une communauté. Oui. Et un tribu? Un tribu, c'est en sorte que... C'est en sorte quoi? Un dilemme comme ça. C'est comme un dilemme comme ça. C'est pas moi qui juge. Un dilemme. C'est un dilemme. Oui. Un tribu, c'est un dilemme. Oui. Vous l'avez, les membres du jury?
Allez, la main revient à Saint-Charles Longa, LCCL. Oui. Quelle est la question? Comment appelle-t-on le germe responsable du choléra? Comment appelle-t-on le germe responsable du choléra? Vibrio cholérique. 10 secondes maintenant. Vibrio cholérique. Vibrio cholérique. Oui, 5 secondes. 3, 2, 1, top. Oui. Germe responsable du choléra est le vibrio cholérique. Les membres du jury, vous l'avez? D'accord. Un applaudissement. J'ai un peu peur de répéter parce que je vais me tromper, c'est bien sûr. On applaudit encore pour les deux équipes. Il reste deux questions. Deux questions pour chaque équipe. Collège Humanité, avant-dernière question, s'il vous plaît. On mange de la bouillie, on la boit. On mange la de la bouillie ou on la boit? Bon. Ça dépend. On mange la bouillie ou on la boit? On mange la bouillie. Même si c'est la... Atikatikati. Allez, la dernière question, s'il vous plaît. L'avant-dernière pour vous. L'avant-dernière question pour LCCL. Allons-y. Combien de temps peut tenir le dromadaire sans boire de l'eau? Combien de temps peut tenir le dromadaire sans boire de l'eau? Oui. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Oui. Le dromadaire peut tenir sans boire de l'eau. Peut tenir 2 mois sans prendre de l'eau. Sans boire de l'eau. 2 mois sans boire de l'eau. Vous l'avez? Tu fais un peu de l'élevage, toi? Non. D'accord. Dernière question pour l'humanité, s'il vous plaît. Dernière question. Oui? Dernière question, très rapidement. Qui est l'auteur de l'œuvre Les Ombres de Co? Qui est l'auteur de l'œuvre Les Ombres de Co? Oui. Oui. 5 secondes maintenant. 3, 2, 1, top. Ouais. On vous écoute. L'auteur de l'œuvre Les Hommes de Co, c'est ça? Oui. Voilà. C'est qui? Seydou Badian. Pardon? Seydou Badian. Seydou Badian. Seydou Badian. On reste tranquille. Dernière question pour lycée collège Saint-Charles Luanga. Qu'est-ce que le carbone 14? Qu'est-ce que le carbone 14? Oui, 10 secondes. 5. 3, 2, 1, top. Le carbone 14 est un élément radioactif. Un élément radioactif. C'est ça? C'est le cas ou pas? Voilà. Je vous avais prévenu, ça se joue aussi sur la rapidité. Et nous voilà donc au terme des 5 questions pour chacune des 2 équipes. Deuxième rubrique, nous passons au jeu. Et c'est juste après ça. Atikatikati, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Deuxième rubrique de l'émission Yalna Assar, deuxième numéro aussi. Nous sommes dans la rubrique Jeu. Ici, sur ces 2 tableaux, 2 équations. On va demander à ceux qui vont venir maintenant de nous factoriser ces équations-là. Il s'agit de... Mamat Adou Mamat pour Humanité et Remadi Télésphore pour Saint-Charles Luanga. On les applaudit pas. On les applaudit.
Télésphore et Adou Mamat, installez-vous devant vos tableaux. Ça va? Télésphore, ça va bien? Adou Mamat, ça va? D'accord. Vous allez soulever le feuillet, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Chacun a devant lui une équation à factoriser. C'est une factorisation. Allez, c'est parti pour cette factorisation. Mes deux scientifiques, mes matheux, allez-y, émerveillez-nous. Résolvez-moi ça, s'il vous plaît. On va décompter aussi. Vous avez 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup, non? À 3 plutôt, les membres du jury. 1-6 là-dessus. Vous êtes des matheux, des scientifiques. Les chiffres dans les airs. Les chiffres dans l'air, oui. Il y en a qui font les maths en langue aussi. Il y en a qui le font en sar. Et Télésphore qui a fini, il reste. Adou Mamat aussi a fini. S'il vous plaît, et tous les deux sont dans le temps. Tous les deux sont dans le temps. On les applaudit bien fort déjà. Veuillez, cher monsieur, retourner vos tableaux au public. Chacun retourne son tableau au public pour apprécier votre travail. Mettez-vous à côté. Alors, un micro, s'il vous plaît. Un micro. Mesdames et messieurs, voilà donc le travail de Adoum Mamat pour le lycée Humanité et de Télésphore pour le lycée Saint-Charles Luanga. Je vais leur remettre le micro pour une petite démonstration très rapidement. Comment tu expliques ce résultat? On nous donne l'équation f de x est égal à 2x moins 1 en facteur de 3x plus 2 moins 2x moins 1 en facteur de x plus 3. On voit que les facteurs communs sont à l'œil nu. On a 2x moins 1 comme facteur commun. Bien. Bien. On prend 2x moins 1 en facteur et puis on ouvre, comme il y a des parenthèses déjà, on fera mieux d'utiliser les crochets. Ici, lorsqu'on prend 2x moins 1, il reste 3x plus 2. C'est la raison pour laquelle on a pris 3x plus 2. Ici, on n'a rien fait de mal, on a juste remis le moins. On a x plus 3. Bien. On a x plus 3 qui est là, on a remis x plus 3. Maintenant, à la ligne suivante, on va passer à la suppression des parenthèses. On a 2x moins 1 en facteur 2. Maintenant, on va supprimer les parenthèses. On va aller rapidement. Oui. Okay, merci. Donc 3x moins 1. Adou Mamat, explique-nous ton résultat très rapidement, en une minute, pardon. X plus 2 et on a fait entrer les 6 moins, donc on aura x moins x plus 3. Les 6 moins va multiplier le moins 3, donc on aura plus 3. Donc ici on a juste réduit la somme. Ouais, donc ici, on a 3x moins 2 moins 1 qui donne 2x et le 2 plus 3 qui donne 5. D'où la réponse f de x est égale à 2x moins 1 en facteur de 2x plus 5. Ici, les radius, c'est juste que je n'ai pas bien vu le donc, 3. Ici, donc 2x plus 5. Oui, ici, je n'ai pas bien vu le 3, donc j'ai mis le 2 avant. Okay. Mais j'ai rectifié, j'ai mis le 3. Vous voyez bien, les membres du jury. Oui. D'accord, ce n'est pas deux résultats identiques. N'est-ce pas? C'est différent. Ici, ça donne 2x moins 1, 2x plus 5. Ici, ça donne 2x moins 1, 2x moins 1. Donc pour ce face-à-face, ce bras de fer en mathématiques entre Adou Mamat et Télésphore, que je vous demande d'applaudir bien fort s'il vous plaît.
Merci. Juste après les maths, cette fois-ci, on va faire un peu de géographie. On va faire incursion dans nos différentes circonscriptions, voilà, sur l'ensemble du territoire. Merci de les accompagner avec une salve d'applaudissements, s'il vous plaît, une fois de plus. Et nous allons accueillir pour ce jeu de Tchad, mon pays, Mamadi, Marie-France et Namatingar, Charbel, s'il vous plaît. Ati. Après le jeu de mathématiques, cette fois-ci, on va entrer en géographie et nous invitons Mamadi Marie-France et Noubatingar Charbel. S'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Ça va, mes amis? Allez bien. Ça va aussi ici? On est en forme? Vous n'êtes pas fatigué? D'accord. Alors, chacun reste devant son équipe. Marie-France et Monsieur Charbel, ça va, vous allez bien? D'accord. Ici, dans le panier, nous avons des bouts de papier, des petits bouts de papier. Dedans, il y a des noms des provinces. On va vous demander simplement de donner le département et le nom du peuple de cette province, l'ethnie et la langue parlée. Ça vous dit si c'est ici à Sarre, vous connaissez déjà? Si vous tombez sur le moyen Charlie, vous connaissez, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Donc, on commence avec Marie-France. Marie-France, qu'est-ce que tu as choisi? C'est quelle province? Le Kanem. Le Kanem. Dis-nous tout sur le Kanem, le département. Le Kanem a d'abord 6 départements. Ok. Et il a pour chef-lieu... Bon, les langues parlées, on a le Mada et le Mafa. L'ethnie, c'est... Bon. L'ethnie autochtone, hein? Les gens du milieu. Les gens du milieu, hein, d'abord, les Kanembu. Les Kanembu, oui. D'accord. Les Kanembu. Et ils parlent quelle langue, les Kanembu? Ils parlent le Mafa. Le Mafa. Oui. D'accord. On applaudit. Oui. Le micro revient à Charbel. Charbel, choisis un petit bout de papier et dis-nous qu'est-ce qui est écrit dedans. L'Enedi Est. L'Enedi Est, le département de l'Enedi Est. Les départements de l'Enedi Est sont... Un seul, hein? Un seul, c'est l'essentiel. Citez un département. Le nom du peuple de cette province, l'ethnie et la langue parlée. L'Enedi Est. Les gens de l'Enedi Est ont pour département. Si ça ne vient pas, on saute, on vient au nom du peuple de cette province. Dans la province de l'Enedi Est, nous avons... Tu peux te tourner, peut-être que tu seras mieux inspiré en regardant tes amis. Voilà. Nous avons... Ça ne vient pas? L'ethnie et la langue, l'Enedi Est. L'Enedi. C'est vrai que c'est bien loin, hein, l'Enedi, c'est de l'autre bout. Oui. Le Tchad est grand, il est vaste. Oui. On est dans l'Enedi Est, là-bas on trouve lesquels? Quelle langue parle-t-il? Là-bas, on parle l'arabe. L'arabe. On parle le... Si ça ne vient pas, on va passer à la deuxième main pour Marie-France. Marie-France, encore un bout de papier, s'il te plaît. Bonne chance, n'aie pas peur. Le micro. Marie-France, oui, qu'est-ce que tu as choisi? Le mandoul. Le mandoul. C'est un jet de pierre d'ici. Juste à côté. Oui, nous sommes à ça. Il faut le rappeler pour ceux qui nous regardent. Non. Département. Département, nous avons... Bon, je parle en généralité. D'accord. Les peuples, le peuple du Mandoul. Les peuples de Mandoul sont plusieurs. Nous avons les Go, nous avons les Saramadigan, nous avons les Mbaï. Il parle le Sara. Le Sara.
On a rien oublié? L'ethnie, c'est déjà fait, non? Bon, l'ethnie, là, ils sont des Sarah. Il y en a plusieurs. Sarah, les oui. Sarah. Ok, d'accord. La main revient à mon cher Charbel. Charbel, ça va? Faut respirer. Cette fois-ci, tu auras la chance. Oui, allez. Nous voici donc dans le Logone occidental. Département. Département. Bon, je peux passer pour revenir à une. Ok, passons et revenons. Les comme ethnies, tu veux. Bon, les ethnies. Les ethnies. Les ethnies. Autochtones. Sont, les Ngambaï. Les Ngambaï. Ok. Nous avons aussi les Gours. Les Gours. Les. Logone occidental. Nous avons les. Ils parlent quelle langue? Ils parlent le Gour. Ils parlent le Gour. Logone occidental. Logone occidental. Ils parlent? Ils parlent le Ngambaï. Le Ngambaï. Allez, respire, respire. C'est le micro, ça. C'est les caméras, c'est vrai. Il parle le Ngambaï, c'est ça? D'accord, merci beaucoup. On applaudit pour Charbel et Marie-France. Merci beaucoup. Je vais à vos places. Atika, tika, tika, tika. Atika, tika, Yalnawe. Voilà, on fait un peu de sport. Yalna se poursuit sur Télé-Tchad juste après. Nous allons, et oui, nous sommes à ça, le deuxième numéro de Yalna sur Télé-Tchad avec les lycées Humanité et Saint-Charles Luanga. C'est un match chaud et savoureux. J'espère que vous prenez goût en nous regardant et que ça fait plaisir à vos yeux simplement. Ce match très rude entre ces deux établissements qui ont des champions, n'est-ce pas? Des champions à gauche comme à droite. Zoom sur vos deux établissements. Collège Saint-Charles-Luanga. Juste à côté, donc, vous avez le secrétariat. Et à côté du secrétariat, donc, c'est le préfet des études. Donc, c'est l'institut qui s'occupe. Donc, moi, c'est l'administration. De l'autre côté, donc, c'est l'aspect académique. Donc, ça, c'est le travail du préfet des études. Alors, cette année, le collège a 1140 élèves répartis à deux niveaux. Il y a le premier cycle, c'est-à-dire de la sixième en troisième, et le second cycle, donc de la seconde en terminale. Donc, les conditions d'accès, ici je le sois, beaucoup de parents préfèrent donc mettre leurs enfants dès la classe de la sixième pour atteindre la terminale. Donc, la formation se passe ici ainsi. Donc, nous accueillons tous les Tchadiens. Tous les enfants, qu'ils soient sans exception, sans discrimination, qu'ils soient chrétiens, animistes ou musulmans. Bon, entrée ici en sixième, nous allons donc demander aux enfants, aux parents de nous présenter les enfants qui ont l'âge de 10 ans, n'est-ce pas? Nous accueillons les enfants. Mais parfois, nous tolérons, à cause de la situation, hein, beaucoup de grèves, et les enfants qui viennent d'ailleurs, nous tolérons 11 ans, 12 ans les filles, peut-être 12, on peut accepter les filles, parce que nous privilégions aussi donc, l'éducation des filles. Donc, de nationalité tchadienne, de partout, les Tchadiens de partout, du nord, du sud et de l'est, tout ça. Donc, ils viennent ici, donc ils passent un test. Il y a un test d'entrée. Donc, ils passent un test. S'ils sont admis, bon, ils sont accueillis. Et parfois, nous baissons un peu la barre pour donner l'occasion à certains, ceux qui ne peuvent pas. Une fois, nous leur donnons l'occasion, ils viennent et puis on va renforcer donc leur niveau afin qu'ils continuent donc bien leur cours jusqu'en classe de terminale. Voilà, les statistiques, généralement, nous faisons le maximum. L'année passée a été une surprise pour nous, au BEF, 100%, sur 102 élèves, 100%. Au BAC, nous avons fait 91%. Il y a eu au moins 7 échecs, ce qui était rare. Hein. Moi, pendant plus de 10 ans, là, on faisait que donc, le maximum, le sommet, tout nous devait passer l'examen. Ce qui fait que les parents avaient une confiance en nous. Particularité, c'est que nous avons un corps d'enseignants stable et des enseignants qui ont la vocation, donc l'enseignement est une vocation. Nous ne prenons pas des gens qui viennent pour s'amuser ici, de qualité, et puis nous les formons. Formation à la culture de la paix. Nous avons des agents ici qui se promènent, qui sont culture de la paix. Ça, nous mettons l'action là. Il y a eu des formations. Chaque professeur passe. Chaque année, nous avons des sessions, des rencontres pour parler un peu, former la paix.
C'est un bon travail de sensibilisation, de mettre les enfants ensemble. Vous venez pour une compétition, nous allons voir leurs talents. Le mot de la fin, c'est de vous encourager. C'est une très bonne initiative qu'il faut continuer. Et j'avoue que peut-être vous avez des soutiens. Continuez peut-être à sillonner un peu tout ce Tchad-là pour véhiculer ce message, la cohabitation. On est des frères. On est condamnés à vivre ensemble. Il y a un travail que vous faites déjà. J'imagine que les autorités vont continuer à vous soutenir pour pouvoir transmettre donc ce message-là de paix, de la cohabitation, de la collaboration et de l'amour entre tous les Tchadiens. C'est ça que nous avons besoin. C'est ce que nous souhaitons aussi pour chaque Tchadien. Le commissariat du 2e arrondissement, au sud, par la maison d'arrêt, à l'est, par le Chari, à l'ouest, par le Barco. En termes de niveau dans l'établissement, nous avons le cycle complet, à savoir la sixième jusqu'en terminale. En termes de statistiques, nous avons au premier cycle enregistré 306 élèves. Et en termes de pourcentage d'admission, nous avons 197 élèves qui passe en classe supérieure. Aux examens, nous avons au BEF 118 élèves, dont 117 sur 118 ont obtenu le BEF, soit un pourcentage de 99,15%. Au baccalauréat série A4, nous avons enregistré 107 candidats, dont 101 ont obtenu leur bac, soit un pourcentage de 94,39%. Ce qui concerne la particularité de notre établissement, nous sommes un établissement à caractère évangélique. Et ce qui marque de ce fait, ce caractère, est que nous prônons la discipline. Et en ce sens, la discipline représente pour nous la clé de la réussite pour nos enseignants. Nous avons affaire à trois qualités des enseignants, à savoir les enseignants permanents, les enseignants contractuels et les enseignants vacataires aussi. Ça fait 31 ans d'existence déjà que aucun cadre des communications en termes d'audiovisuel et s'est présenté à nous pour nous permettre d'être écoutés sur les médias. Et si aujourd'hui ces cadres de communication se présentent à nous pour nous permettre d'être écoutés sur les médias, nous implorons la bénédiction de Dieu sur ces cadres, et également encourager ces cadres à également élargir sa dimension dans des provinces afin de permettre à ce que le Tchad et le monde entier puissent également s'imprégner de ce que vivent les cadres éducatifs au Tchad. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Cette fois-ci, nous allons donc passer à une autre rubrique, c'est-à-dire tout beau, tout propre. C'est question d'hygiène. Et là, on va inviter face à face pour cette rubrique. On les accueille. Atikatikati. Allez, nous sommes dans tout beau, tout propre et nous avons en face de vous, charmant public, deux élèves. Il s'agit de Kohom Sandai du lycée Humanité et Laurie Aziza Mamat du LCCL. Ils sont là pour nous sensibiliser autour d'une thématique choisie par les jurés bien avant. Il s'agit donc des maladies chroniques. Bonjour Kohom. Excusez-moi. Les maladies chroniques sont des maladies qui sont
des exceptions qui se volent dans l'organisme et qui ne se guérissent pas. On peut dire que ces maladies sont des maladies répétitives, dont on peut avoir le paludisme, la fièvre typhoïde, la verre de Guinée, et aussi on peut mettre... Mais pour éviter contre ces maladies, il faut dormir sous les mistigères, nettoyer les aliments avant de les consommer, avoir une ration alimentaire équilibrée. Aussi, il faut nettoyer ou laver les mains avec de l'eau propre et du savon, avoir... Oui. Avant de manger. Avant de manger, oui, oui. Ouais. Avoir aussi, en faisant de l'e-sport, avoir une forte inspiration et le dégagement du dioxyde de carbone. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit. À toi de tenir là au milieu. Tu te présentes et tu nous sensibilises. On est toutes, oui. Bonjour la salle. Moi, c'est Laurie Aziza Mahamat. Mon thème, c'est les maladies chroniques. Une maladie chronique, d'abord, selon la définition de l'OMS, est une affection de longue durée qui évolue lentement et qui s'aggrave avec le temps et qui ne peut rarement être guérie. De ce fait, on a des facteurs qui les transmettent. Ces facteurs sont beaucoup plus dus à nos pratiques comportementales à risque, tels que le tabagisme, l'alcoolisme, la mauvaise alimentation. De ce fait, les principales maladies chroniques sont l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, la maladie de Parkinson et aussi le cancer. Les moyens de les prévenir sont d'abord la sensibilisation de la population. Sensibiliser la population, informer la population des risques que peuvent causer les maladies chroniques, à contrôler et équilibrer leur ration alimentaire. À aussi, oui. Aussi de fréquenter les centres de santé. Super. C'est bon. Quand une personne sent des symptômes de maladie. OK. On l'applaudit, s'il vous plaît. Je vous assure que on est suspendu à leurs lèvres comme si c'était des médecins. Parce qu'on a un médecin dans le jury et lui aussi, il acquiesçait quand les deux argumentaient. On applaudit pour les deux candidats, s'il vous plaît. Ati, ati, ati. Si vous êtes content de passer cet excellent moment de télé avec les tout jeunes sur Télé Tchad, applaudissez bien fort pour vous-même, s'il vous plaît. Yalna, cette émission des enfants, des jeunes sur Télé Tchad, nous sommes dans la dernière partie. Et vous savez quoi? Comme on le dit souvent, le meilleur pour la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes dans cette zone vraiment appréciée de tous ceux qui passent par ici. C'est la préférence artistique Fais ta star. Trois sous-rubriques, trois manches. On va commencer par l'hymne national, puis la poésie, les poèmes, et on finira avec la chorégraphie. Tout de suite et maintenant, pour représenter le lycée Saint-Charles Luanga, nous avons Naomi Naysem Ahmad pour entonner l'hymne national. Bonjour Naomi. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, elle est là déjà son micro. Tiens-toi là au milieu. L'hymne national, notre identité nationale, notre fierté, ce qui unit tous les Tchadiens. Un moment fort. On va l'écouter religieusement. Chanter l'hymne national. D'abord, le titre, c'est La Tchadienne. Allons-y. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton
droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. La preuve. Atikatikati. Atikatikati. Voilà là, la preuve que nous aimons ce pays-là. Ça donnait des frissons, beaucoup d'émotions de l'écouter chanter. Tu fais des cours de chant, dis-moi. Non. Non. J'ai jamais pris de cours de chant. Pardon ? J'ai jamais pris de cours de chant. Elle n'a jamais pris de cours de chant. Et qui est-ce qui t'a appris à chanter comme ça ? Personne. Personne. Et c'est quoi le secret? Bah, il n'y a pas de secret. Pas de secret, c'est naturel. Oui. On a une chanteuse là, mais je sais qu'elle aussi avait des frissons tout à l'heure. Mathilde Geneviève. Allez, si tu veux chanter un jour, faire l'opéra? Je veux devenir chanteuse. Chanteuse? Non, pas à l'opéra, juste chanteuse. Chanteuse? Oui. Tu veux faire quel genre de style? Bah, tous les styles. Je veux la pop. La pop? Oui. Le yeah, yeah, yeah. Moi et ma soeur. Toi jumelle. Et ta soeur? Ma soeur jumelle. Ta soeur jumelle. Ah, tu es jumelle. Elle est là? Elle... Viens, viens un peu. Viens, viens rapidement. Oh. Cédez-lui le passage, s'il vous plaît. Elle est très loin. Bon. Rapidement, rapidement. C'est deux jumelles identiques. Hein. Et tout à l'heure, tu avais des larmes. Jusqu'à là, tu pleures encore. Dis-moi, je sais que c'était émouvant, mais pourquoi tu pleures? C'est la première fois qu'elle chante. C'est la première fois. Ouais. Et elle, elle aime tant chanter. Toi aussi? Oui. Vous avez ça en commun? Vous chantez ensemble? Oh là là, cessez de pleurer. Moi aussi, j'ai pleuré. Ça se passe uniquement dans Yalan, les émotions fusent de partout. On applaudit encore Naomi et sa jumelle. Allez. Atikatikati. Le national, nous y sommes toujours face donc à Naïssem Aramat. Nous avons pour le lycée Humanité Altodjum Madiam, qu'on applaudit bien fort. Bonjour. Bonjour. L'hymne national tchadienne, la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant,
fidèle à tes anciens qui te regardent. Ah, Arde, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Atikatikati, atikatikati. Tel un avion qui descend en douceur. Wow, super. Aujourd'hui, c'est trop d'émotions. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour elle. Madiam, oui? Tu chantes très bien et on sent qu'il y a trop de technique, surtout l'atterrissage là. Explique-moi un peu. Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu veux faire du chant ton métier? Oui, j'aime bien la chanson. Ok. Mais je ne suis pas choriste, non. J'aime bien la chanson. Tu aimes bien chanter? Oui. Souvent à la maison? Oui, souvent. Quand tu es à la cuisine? Oui, surtout les chants religieux. Les chants religieux? Exactement. D'accord. Merci de l'applaudir bien fort. Gati, gati. Super moment à la télé Tchad. C'est Ati, gati, gati. Atikatikati! Yalna tend vers sa fin, mais encore la plus grosse des rubriques, le plus grand des moments qui donnent des frissons dans cette émission reste à vivre en direct à la télé avec vous, mes chers amis du lycée Humanité et du lycée Saint-Charles Luanga. Si vous êtes là, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Applaudissez aussi pour les responsables de l'ONAMA. Ceux qui sont en Djamena, mais surtout le représentant qui est là, notre directeur Amat Ibrahim Tété, qui est là, qui nous a accueillis chaleureusement. J'aimerais qu'on l'ovationne bien fort, s'il vous plaît. Voilà, directeur de la station Onama Sar, excellent accueil. Merci encore une fois de plus. L'émission se poursuit tout à l'heure. Il viendra ici pour aider à remettre les lots aussi avec les autorités qui nous accompagnent, qui ne nous lâchent pas. Merci à toutes les autorités provinciales du Moyen-Chari de Sar, justement. Atikatikati ! Avant donc de finir en beauté avec la chorégraphie, il nous reste une cerise à mettre sur le gâteau. Ce petit moment d'émotion aussi avec beaucoup de mots sur les mots que nous vivons tous dans notre société. Nous allons inviter deux poètes. Voilà. En devenir peut-être, mais deux poètes déjà, qui sont très très bien. Il s'agit donc de Betouba Succès et Yamta Gloria. On accueille d'abord Yamta Gloria. Gloire. Yamta Gloire. Bonjour, bonne année, bonne arrivée. Bonjour. Ça va, Yamta Gloire? Ça va. Tu vas bien? Oui. Tu es là pour nous charmer avec des mots. Et là, on se laisse aller à toi, tu nous diras quel est le titre de ton poème. Et on entre en matière. Allons-y. En fait, le thème de mon poème porte sur la paix et la cohabitation. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on va commencer. Toi, moi et lui sommes tchadiens. Nous avons le même sang. Nous sommes nés de la même patrie. Cette même patrie qui nous a vu naître, grandir et qui nous fait certainement mourir. Construisons un havre de paix et non de haine, car la haine est comme un poison qui ronge ce lien qui nous unit. Rejetons un Tchad de nordistes, rejetons un Tchad de sudistes, construisons un Tchad pour les Tchadiens. Quel effroi d'entendre que les agriculteurs et les éleveurs se battent comme des loups. Quel désarroi d'apprendre que les frères du même secteur d'activité s'entretuent comme des sauvages. Avez-vous une idée de la douleur qu'on ressent quand les fils de Toumaï se disent « Doumsakid, Kirdisakid » Nous ne voulons plus de ces expressions ethnocentriques. Nous voulons plutôt entendre « C'est mon frère tchadien, c'est ma sœur tchadienne. » Tchadiens et tchadiennes, hommes et femmes, descendants des Sao, fils de Toumaï, cultivons la paix. Cohabitons et menons le pays de Toumaï, le berceau de l'humanité,
sur le chemin du succès. Merci. Ati. Alors, elle est dans ce qu'elle dit, au point où on sent la voix qui tremble parce que c'est trop d'émotion. Qui a écrit ce poème? Toi-même. C'est elle-même qui l'a écrit. On l'applaudit bien fort. Alors, aujourd'hui c'est un numéro plein de larmes, d'émotions. Oui, parce que les enfants du Tchad l'aiment de toute leur force. Et ça se sent, ça se vit dans Yalan sur Télé-Tchad. Deuxième candidat, toujours pour la même rubrique, poème. Nous allons nous tourner vers Betoubam. Succès. On l'applaudit. Betoubam, succès. Bonne arrivée, bonne année, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu es le poète de ce soir? Oui, oui. Tu vas certainement nous séduire avec tes mots? Oui. Tu nous parles de quoi? Quel est le titre? Et allons-y. Paix et cohésion sociale. Paix et cohésion sociale. Allons-y. Poème. Paix et cohésion sociale. Si les hommes, dans un jardin, apprenaient à leurs gamins et partageaient avec leur famille des valeurs si chères de la nation que la nature implanta dans nos chairs. Si nous nous inquiétions de la santé de nos relations, passons au-delà de nos besoins, de nos satisfactions, pour parler de la paix et cohésion dans nos foyers, les conflits seront consumés. Aimons-nous dans la paix et dans la fraternité. Dans la paix et dans la fraternité. Où nous serons tous fiers de purger nos peines avec des cœurs libérés à jamais de la haine. Dans la paix et cohésion, au péril de notre vie, au bonheur de futures générations. Notre patrie en a besoin. Merci. Merci beaucoup. Betoubam, succès. Tu aimes bien ton prénom, hein, succès. Oui. Tu veux aller de succès en succès? Oui. Et dis-moi, est-ce que cette histoire de poème, ça va un peu plus loin ou bien c'est juste pour l'émission Yalla? Ça va un peu plus loin. Est-ce que tu veux faire la poésie un jour, écrire des livres? Oui, écrivain? Parce que c'est ma passion. C'est ta passion? Oui. Et quelle autre passion tu développes à côté de ça? Je voudrais être un journaliste présentateur. Oh! Bon. Comme qui? J'aimerais que tu dises que c'est comme moi. Oui, comme vous, par exemple. Ah, tu me connais? Oui. Depuis quand? Je suivais l'émission à travers la télé Tchad. Ok. Donc j'avais suivi les élèves du lycée collège Félix Éboué contre les élèves du lycée collège Sacré-Cœur. Ok. Donc tu m'as vu à la télé? Oui. Atikatikati! Atikatikati! Nous sommes donc au dernier virage de l'émission Yalnan, le deuxième numéro à ça. Dans la salle la plus grande, même si elle est petite, la plus grande du centre Béadi. On applaudit pour le centre Béadi qui nous accueille aussi. Juste après ça, la chorégraphie, on va danser. Atikatikati! Dernier virage donc, disais-je, la chorégraphie. Cette fois-ci, on va esquisser quelques pas de danse. Parce que vous le savez, Yalnan, on s'amuse en apprenant et on apprend en s'amusant. En ce moment, on va s'amuser parce que c'est important. La danse, c'est une thérapie. Et cette fois-ci, on va accueillir, pour commencer, le lycée Humanité qui viendra ici pour démontrer sa chorégraphie originale. Applaudissements pour les accueillir. Bye, 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 bye.
Et maintenant, les danseurs, les chorégraphes du lycée Saint-Charles Luanga, sous vos applaudissements. Voilà donc, nous sommes à la fin de l'émission Yalan sur Télé-Tchad, le deuxième numéro ici à Sarre avec les lycées Humanité et lycée Saint-Charles Luanga. C'était serré, mais le jury nous donnera plus de détails. Mesdames et messieurs, chers amis du public, on applaudit pour accueillir les membres du jury, Madame Geneviève, Berambaï Fadel et Docteur Olivier. Ils vont apporter des critiques, des remarques pour vous aider à faire mieux la prochaine fois. Bonjour Fadel, bonsoir, bienvenue. Bonjour et bonsoir. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui s'est passé ici avec les membres du jury. Monsieur Fadel, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, bonne année à vous tous. Bonne année à tous ceux qui nous regardent aussi. Par la voix du jury, je vous salue. Nous allons donner le résultat en trois parties. La première partie, ce sont les réponses aux questions. La deuxième, ce sont des remarques concernant les jeux et autres. La troisième partie, ce serait tout beau, tout propre, qui sera expliqué par le médecin. Il va donner plus d'éclaircissement.
nous voudrions aller plus rapidement. Les questions sont en pêle-mêle, mais nous allons les lire comme si c'était un ordre. En combien de temps la Chine a monté son premier hôpital pour héberger les malades de COVID-19? Cela s'est passé en 10 jours. Quelle est la stratégie développée pour lutter contre la poliomyélite au Tchad? Au Tchad, la stratégie, c'est la vaccination. On procède par la vaccination et la sensibilisation. Comment appelle-t-on le germe responsable du choléra? On l'appelle vibrion cholérique. C'est pas cholérique, hein, c'est vibrion cholérique. Question suivante, combien de temps peut tenir le dromadaire sans boire de l'eau? Le dromadaire peut tenir de 10 à 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Qui est l'auteur du livre ou bien de l'œuvre Les ombres de Co? C'est M. Antoine Bangui. Quelle différence faites-vous entre un atome et une molécule? Un atome est constitué d'un noyau qui est entouré des électrons. Ces électrons gravitent autour de ce noyau. Alors que une molécule est l'ensemble de plusieurs atomes. Quelle est la composition de l'air? L'air est composé de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Ça peut être l'argon, ça peut être l'hydrogène, plusieurs d'autres gaz rares. On les appelle aussi comme ça. Quelle différence y a-t-il entre une tribu et un tribu? Une tribu est un ensemble des familles. Ça, c'est une tribu. Un tribu, c'est l'impôt. C'est ce qu'on a imposé à un peuple ou à un pays de payer. Dernière question. On mange la bouillie ou on boit la bouillie? On mange la bouillie. Sur les questions de mathématiques, les deux résultats sont justes. Les deux résultats sont justes. Je vais procéder sans plus tarder, remettre la parole à Matibé Geneviève. Mais j'attire votre attention sur une question. Quand on vous pose une question, ayez le temps d'écouter la question et de cerner la réponse que vous donnez. Ne donnez pas plusieurs réponses quand on vous demande une seule réponse. Ça, vous passez immédiatement à côté. Puisque si on vous demande par exemple en santé, le médecin là il dit de cesser vous donner 10, eh bien la personne va partir. Ati. Ça va? C'est bien chaud, non? Vous avez aimé? D'accord, si vous avez aimé, applaudissez pour tous les candidats qui sont passés. Voilà, parce que c'est pas du tout facile de se tenir devant un public parler. Alors, pour ma part, ce soir, nous avons eu les jeux de mathématiques. Nous avons eu Tchad, mon pays. Et pour moi, je dirais pour le jeu de mathématiques, ça a été très fort. Bravo à tous les deux candidats et surtout aux enseignants qui donnent le meilleur de chaque jour aux élèves. Bravo, ça a été impeccable. Nous avons eu la rubrique Fête à Star avec la poésie. Et la chanson, surtout l'hymne national, ce soir, ça a été vraiment très fort et émouvant. Depuis qu'on a tourné Yal, non, dans chaque province, il arrive des occasions où nous tombons sur des moments comme ça qui sont vraiment, vraiment très, très forts et émouvants. Et ce soir, nous avons encore eu plein la vue. Et merci beaucoup pour ce moment et merci beaucoup pour toutes ces paroles si fortes que vous nous avez données, le lycée Charles Luanga, le lycée Humanité. Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup de garder cette identité qui nous appartient, de venir avec des musiques et des danses qui sont traditionnelles. Mais pour ma part, le petit secret, je vous dirai, prochainement, si vous partez en compétition, on dit chorégraphie,
mettez-y de la créativité. D'accord? Merci beaucoup. Applaudissez. Merci, merci. Bonsoir à tous. Parlant de la santé, la question était sur les maladies chroniques, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez écouté les deux élèves humanité et CCL. Je crois que la personne qui a un peu ébauché des bonnes réponses était l'élève du Charles Langua. Voilà, donc on parle, quand on parle des maladies chroniques, comme elle a dit, c'est des maladies qui s'installent doucement et définitivement. On ne peut pas guérir, c'est des maladies qu'on soigne. On amène tout doucement le patient à gagner quelques années de vie et il va finir par mourir de cette maladie, mais on lui prolonge au maximum sa vie. Donc elle a parlé de diabète, elle a parlé de l'hypertension artérielle, c'est ça les maladies chroniques. Et là, notre ami qui a pensé que le paludisme, fièvre, typhoïde ne sont pas des maladies chroniques, ça c'est des maladies endémiques. C'est-à-dire c'est des maladies qu'on vit, on fait la maladie, on se traite, demain encore on revient, on attrape le paludisme, fièvre, typhoïde, on se traite. Voilà la différence entre les deux maladies. Alors la prévention, si on veut parler des maladies chroniques, c'est des maladies métaboliques. Et l'hypertension, diabète, comme elle a parlé, de l'obésité. Il ne faut pas être trop obèse. Il faut chercher à diminuer. C'est ce que nous faisons chaque jour. Même moi, chaque jour, je suis au terrain en train de courir pour diminuer le poids. Donc quand on prend plus de poids, on va développer cette maladie qu'on appelle diabète. On va développer cette maladie qu'on appelle hypertension. Et la maladie qu'on appelle goutte. Quand on mange assez de la viande, même les légumes comme les épinards, les poissons comme les sardines, quand on mange, on va développer la maladie appelée goutte et on ne va jamais être guéri. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, docteur Olivier. Le résultat final, vous en voulez ou pas? C'est bon? Je sais que vous avez appris beaucoup de choses dans les mots des membres du jury, mais quand même, un résultat final, non? Ou bien? Et le mot revient à M. Fadel. Je souhaite que vous acclamiez tous pour vous et pour vos encadreurs. Donc vous ne voulez pas acclamer pour vos encadreurs? Merci beaucoup. C'est un résultat. Il y a toujours un gagnant, un perdant. Nous voudrions commencer par le lycée Humanité qui a eu 15,2 sur 22. Vous n'acclamez pas pour eux. Puis le lycée Charles Luanga avec 16,3. Après tout, c'est un jeu. Nous allons passer la parole. Atika, tika, 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 tika. Nous allons inviter les représentants des deux administrations, des deux lycées, à nous rejoindre ici sur le podium. Un représentant du lycée Saint-Charles-Luanga et un représentant du lycée Humanité. Atikatikati, on va cette fois-ci recueillir les propos des deux représentants qui vous ont accompagnés, qui ont suivi de bout en bout cette émission avec nous. On commence d'abord par le lycée Humanité. Monsieur, présentez-vous et dites-nous vos impressions. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mes impressions ce soir, c'est des impressions de joie. C'est des impressions de joie. Pourquoi joie? Parce que mes élèves se sont défendus valablement. Car il y a un adage qui dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on prépare la nouvelle. Ils ont mesuré leur connaissance face aux élèves du CCL. Ce n'est qu'une partie remise. Si Dieu voulant et que l'émission Yann pense revenir encore
sur le plateau de la province du Moins-Chari. J'espère que pour cette fois-ci, mes candidats vont se préparer mûrement pour devoir également gagner, n'est-ce pas? Et pour finir, je remercie l'initiative de l'émission Yalna qui a pensé aux provinces du Moins-Chari pour pouvoir venir aider nos élèves à se mettre dans des recherches pour qu'un jour nous puissions les voir non seulement sur le plan national, mais peut-être international, comme nous avons l'habitude de voir nos artistes. C'est à CEPA que vous, nos élèves, vous allez également, si vous vous attelez, vous allez aussi décoller. Donc, je vous encourage, je vous félicite à tenir bon. Merci. Je vous remercie beaucoup. On applaudit, monsieur le proviseur. Merci beaucoup, monsieur le proviseur, pour ces mots, voilà, qui encourage, qui booste donc les élèves, qui n'ont pas démérité. Hein. Ce n'est qu'une partie remise, on l'a dit, ça ne veut absolument rien dire, ça ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent que les élèves du lycée Saint-Charles Luanga, pardon, c'est ça, voilà. Donc, applaudissez pour vous d'abord, applaudissez pour vous. On va remettre le micro au représentant du lycée Saint-Charles Luanga pour ses impressions. Moi, je m'appelle Joseph Samedi, je suis prêtre. Je ne porte pas le titre de proviseur, mais de directeur. Alors, mes impressions sont bonnes. Hein? Content de cette rencontre. Hier soir, je vous suivais à la Radio Sarin, quand vous parliez de ce que vous faites, vos tournées dans le pays. Alors, je me dis, mais c'est l'occasion ou jamais. Et quand, dans notre correspondance, vous m'avez demandé de chercher, de proposer quelques élèves pour cette rencontre, pour ce brassage-là, avec des thématiques vraiment intéressantes. La paix, la cohésion, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Pas la guerre, mais plutôt la paix. Vous voyez les jeunes, en parlant, ils sont en chantant, ils disent, ouais, le cœur a parlé. Comment on peut éduquer les jeunes dans ce sens-là, à aimer ce pays et à servir ce pays. Et je remercie cette initiative. Nous parlons devant la télévision, nous demandons donc la bénédiction de Dieu sur le théâtre d'abord, nous dirigeons. Et le ministère aussi de vous pousser, vous donner des moyens pour circuler, et seulement cette province aussi, mais les villages. Faites parler les gens qui disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent de ce pays, qu'est-ce qu'ils proposent aussi. Parce qu'on les oublie. Et à travers les médias, ce que vous avez fait, les gens parlent, les gens découvrent leur pays. Il y a un qui avait dit qu'il voulait être journaliste, il ne sait pas ce qu'il attend. Et tu as, dans la blague là, tu as dit, mais un journaliste fait quoi? Il informe, il éduque. Un peuple bien éduqué, bien informé, ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, je remercie, je félicite aussi le Collège Humanité. Je vois que j'ai mes anciens élèves qui sont là. On est tous ensemble. Alors, vive le Tchad. Merci beaucoup. Merci mon père, merci beaucoup monsieur le proviseur. On applaudit pour les encadreurs s'il vous plaît. À présent, on va inviter monsieur le directeur provincial de l'ONAMA à remettre les lots aux deux représentants des deux établissements. On va commencer, monsieur le directeur, veuillez approcher, s'il vous plaît. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour l'émission Yalna aussi, j'en profite. C'est un souvenir historique parce que le lot du lycée Saint-Charles Luanga. Voilà, donc à présent, on va demander à monsieur le directeur provincial l'ONAMA de remettre donc le lot, le prix gagnant au directeur du lycée Saint-Charles Luanga. Je vous assure, c'est un prix symbolique, une attestation signée ici par le directeur général de l'ONAMA, Dubaï Clamtoin. Merci monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci, directeur. Merci à vous, monsieur le proviseur. Cette fois-ci, on va finir en beauté, n'est-ce pas? Parce que c'est la joie.
J'aimerais voir les élèves du lycée Humanité venir ici danser avec les élèves du lycée Saint-Charles Luanda. D'accord? Chapeau à nos caméramans, à nos techniciens, à tous ceux qui ont travaillé, nos chauffeurs et tout ça. C'est un excellent travail. On les applaudit bien, bien fort. Ils disent Osvaldo Toxi.